Waouh! C'est ce poisson encore? Mon frère, touche ton ami à côté. Pose-lui la question. Ça, c'est quoi son corps? Demande à ta soeur. Mais ma soeur, dis-moi, ça, c'est quoi son corps? Aïe, 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 aïe. Ce que nous allons voir ici, moi, franchement, moi, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Et quand j'ai vu cette chose pour la première fois, mes yeux se sont ouverts comme ça. Ah! Et depuis hier, ça me dépasse. C'est une chose que j'ai envie de partager avec vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et faites de même. Partagez cette vidéo à tous vos amis, à votre soeur, à votre frère. Et posez-nous de vraies questions. Dites-moi, mes frères et soeurs, est-ce que quand Dieu a créé l'être humain, est-ce qu'il a créé de sorte que l'être humain soit en dessous des animaux? Mais bien sûr que non! On nous dit que Dieu a donné plein pouvoir à l'être humain. Et c'est l'homme qui gère le monde. Et c'est ce qu'on voit. Maintenant, depuis que le diable est descendu là, lui, il fait que les conneries, il renverse les choses. Il a créé sa sorcellerie et son satanisme. Et là-bas là, des gens doivent se transformer. Ça veut dire quoi? Ça, tu viens et on te dit que, bon, tu vois, on va t'initier, tu auras des pouvoirs magiques. Et avec ces pouvoirs magiques, toi, tu pourras te transformer en animal de ton choix. Un animal de ton choix. Si tu choisis le chat, toi, tu pourras faire des prières mystiques ou des incantations. Tout de suite, tu te transformeras en chat pour aller faire des opérations mystiques. Ou tu te transformeras en quoi? Ça dit, ça dépendra de toi, quoi. Et oui, c'est pourquoi souvent, vous voyez dans les films, on voit des sorciers qui se transforment en chauve-souris, vous les voyez s'envoler, wouh! Ce sont les choses parfois qui sont vraies, comme on nous montre tous ici dans les films. C'est vrai. Et ici, nous allons entrer dans l'industrie de la musique. Dans l'industrie de la musique, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement. Certaines personnes se déguisent n'importe comment et elles vont dans des soirées pour faire des choses bizarres là-bas, personne ne comprend. Et ces choses sont venues au grand jour au travers d'un truc très simple. Juste une émission très simple que moi j'ai envie de découvrir. Ah, hey, mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez que la vie sur la terre c'est un jeu? Ça m'étonnerait. Hein? Il y a un combat entre le bien et le mal dans toutes ces dimensions. Et le mal veut régner sur nous. Nous ne devons pas nous laisser faire. Et pour que le diable entre chez les gens, il utilise même des techniques que vous ne pouvez pas comprendre. Ça a l'air simple, mais c'est réel. Quand quelqu'un porte un vêtement, par exemple, ou il y a une tête de mort sur ce vêtement, on va dire que cette personne est en train de faire la publicité de cette tête de mort ou de l'esprit qui se trouve derrière cette tête de mort. Ça veut dire aussi que si un homme porte un vêtement, même si c'est un t-shirt, ou il y a un grand dragon là-dessus, c'est une signification. Et les gens même vont plus loin, ce n'est plus caché. Sur les vêtements aujourd'hui, vous pouvez voir les 666 écrits bien en noir sur blanc sur le vêtement. Et vous, quand vous voyez ça, vous vous dites, oh, mais ça, c'est la marque du diable. D'autres personnes vont dire, oh, c'est juste un numéro, on peut s'amuser avec. Je pense que c'est de la blague. Et que nous vous racontons des histoires. Vous serez même surpris parce que vous allez le voir. Nous allons voir des gens en train de chanter. Et chacun d'eux est habillé, déguisé. Vous savez, quand c'est Halloween, les gens se déguisent comme ça, ils portent des choses bizarres. Ah, comme des monstres. On va dire que les gens s'habillent comme des monstres. Là, les gens ne veulent plus s'habiller comme Dieu, ils s'habillent comme des monstres. Et ces gens-là vont maintenant venir chanter. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une star de la musique aux États-Unis qui a dit que elle, quand elle monte sur scène, elle n'est plus elle-même. C'est une autre personne qui habite en elle. Elle n'a qu'à juste lever les deux mains vers le ciel. Et puis, elle reçoit une force,
une puissance et ce n'est plus elle. Et elle parle d'alter ego. Une deuxième personne qui, genre, la possède, quoi. Il y a d'autres stars même qui ont fait des pactes bizarres où ces stars-là peuvent même voir leurs démons. C'est-à-dire les démons avec qui elles ont collaboré. C'est bizarre. Mais moi, quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a rappelé tous ces trucs qu'on nous dit sur Internet, sur ces genres de choses, comment les démons possèdent les gens. Même certaines stars de la musique disent que pour pouvoir écrire, il faut entrer dans le noir. Certains disent que voir les yeux des démons dans le noir. Eh, Seigneur Jésus. Ce que nous allons voir, c'est hors du commun. Si vous avez peur des trucs comme ça, ne regardez pas cette vidéo. C'est un réel mystère. Moi, je ne comprends pas. Ah, les gens ont organisé du genre un spectacle. Et au cours de ce spectacle, comme on vous l'a dit, les gens doivent passer tour à tour pour chanter. Et ces gens qui doivent passer pour chanter là sont déguisés. C'est comme si c'était Halloween. Et ces gens-là portent de ces vêtements bizarres. Or, nous savons tous que quand les gens décident de faire des trucs pareils et porter, quel que soit le vêtement que vous portez, si tous ces gens de choses, ça c'est, on peut dire que c'est comme un esprit de mort ou bien une tête de mort qu'elle a avec le squelette, tout ça. Waouh! Donc, quand on voit ça, et on voit même un micro dans la main, on se dit, mais what? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai vu ça, ça m'a fait. C'est comme si je me trouvais même dans un autre monde. C'est comme si je me trouvais dans un autre monde, en train d'observer quelque chose de mystique qui était censé être caché, ou encore qui était censé être juste un mystère, mais qui est venu mettre au grand public. Et ça a l'air comme un jeu, les gens passent tour à tour, des célébrités qui passent tour à tour pour se montrer dans les déguisements, comme si, quand ces gens-là se transforment la nuit, ils se transforment en des trucs pareils. Bon, nous allons vous montrer encore des choses, nous allons montrer encore des choses, nous allons montrer encore des choses. Parce que vous allez voir ce que j'ai vu. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai vu. Ça m'a tellement étonné. Oui, vous ne pouvez pas imaginer. Ça m'a étonné. Je n'ai jamais été si surpris de ma vie. J'ai dit, mais ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? De la sorcellerie. Les gens décident de se transformer en chat. Mais pas seulement. Aussi en chien. Vous voyez, là, une personne déguisée en chien qui vient pour chanter comme ça sous nos yeux. Et les gens dansent. Et ça a l'air comme un jeu, hein. Ça a l'air d'être comme un jeu, un truc simple, on s'amuse. Et les gens sont tentés d'adorer même le démon, même sans le savoir. Parce que toutes ces choses que vous voyez à l'écran, tous ces déguisements bizarres que les gens même portent, ce sont des choses qui les lient au mauvais esprit. Ça vient de quelque part. Il y a une idée. Comment un être humain qui a tous ses sens au complet peut-il fabriquer de tels vêtements, des vêtements de monstre? Ça m'étonne. Regardez. Comment ça s'appelle ce truc? Je ne sais même pas quel est son nom. Mais il y a un homme à l'intérieur, une personne qui chante, hein? Oui. Regardez même ça. Regardez comment les gens sont en train de danser. La manière même de danser sur le podium. Mes frères et sœurs, quand vous voyez ça, vous avez même peur. Vous avez même peur, vous avez même peur. Il dit, mais hé, Seigneur Jésus, dans quoi on est? Dans quel monde sommes-nous et où on va? Ah, là, c'est comme si le diable venait se montrer, c'est-à-dire en plein jour, quoi. Ça, c'est pas de la blague. Ces gens-là sont masqués d'abord. Au départ, ces gens-là sont masqués. Et à un moment donné, on doit enlever leur masque comme ça, pour que ces personnes-là se dévoilent. Et c'est là, vous voyez, en dessous des célébrités. Là, c'est comme si on disait que le diable est en train d'utiliser maintenant les personnes célèbres pour faire passer son message. Oui, pourquoi on parle de lui, pourquoi on l'honore. Parce que les démons aussi, ils aiment être le fameux, être célèbre, ils aiment qu'on parle d'eux. Donc, pour pouvoir bien faire le travail, ils vont juste toucher des personnes célèbres qui vont venir juste faire le truc. Vous voyez ça comme un truc, c'est comme un show. Mais, spirituellement parlant, mes frères et soeurs, c'est un gros sens que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est vrai. Hein? Ça m'a tellement choqué. Ça m'a tellement choqué. Et les gens chantent. Et ils dansent.
Et elles sont masquées bizarrement. Des déguisements trop étranges. C'est Halloween, les gens vont s'habiller n'importe comment. Et c'est ce qu'elles sont en train de faire. Si nous n'avons pas montré dans la réalité ce que ça donne, vous allez penser que ce sont les histoires. Voici en réalité à quoi ça ressemble. Et je n'en avais. Vous allez voir tout de suite, vous allez voir. Voilà, c'est comme ça. C'est juste une émission. Et puis on voit les gens qui dansent. Les squelettes. Voilà. Ah! Vous voyez ça? Hey, ce squelette danse. Regardez. Ça danse. Et tout le monde danse. C'est juste de la blague, de l'amusement. Et c'est juste un spectacle. Et les gens chantent. Un squelette qui chante. Et les gens sont là, c'est toujours étonnant. C'est vraiment bizarre. Et les gens sont tout. Et regardez même le squelette. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Regardez ça. Regardez. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que c'est. Moi, je ne comprends vraiment pas ce que c'est. Je ne sais pas dans quoi on est. Qu'est-ce qui se passe ici? Vraiment, le monde dans lequel nous sommes est un monde vraiment bizarre. Bizarre. Regardez. Et ça, vraiment, c'est une chose qui ça m'a étonné. C'est-à-dire, quand vous regardez ça, vous voyez ça en un spectacle, un truc où les gens viennent pour s'amuser. Mais pendant le spectacle, il y a des rituels même qui se font. Oui! Pendant le spectacle, même dans cet clip, les gens sont amenés même à faire des rituels, faire tout et n'importe quoi souvent. Hein. Mais ça l'est simple. Ça l'est vraiment très très simple. Très simple. Mais il y a des trucs qui se passent, des trucs. Regardez par exemple ça encore, regardez. Nous ne sommes pas venus voir quand ils sont. Regardez. Waouh, regardez ce truc. Regardez comment les gens sont des êtres humains qui vont s'habiller comme des animaux. Moi, franchement, moi, ça me fait même mal. Ça m'étonne. Et on dit que c'est ta place, c'est un jeu. C'est pas normal, mon frère. C'est pas normal. Il n'y a rien de normal dans les trucs. C'est tout pareil. Ça n'y a rien de normal. Est-ce que vous voyez que c'est normal? Et ça va passer matin, midi, soir à la télévision et les gens vont regarder. Ah, qu'est-ce que c'est? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens vont commencer à se familiariser à la chose. Bon, ça va devenir normal. C'est comme avant, quand les femmes portaient des collants. Aucune femme sur la terre ne trouvait ça normal. Même moi, donné, à force de voir ça, c'est devenu maintenant normal. Quelqu'un même maintenant peut se porter, une femme peut porter slip, elle va se balader dans la rue. Et puis, on dit, oh non, non, personne ne parle. À la plage, on fait tout et n'importe quoi, vous voyez les filles. Personne ne parle. Et voici comment ça s'est entré chez nous. Voici comment ça s'est entré. Le diable a utilisé des personnes célèbres pour venir publier, prêcher sur ça. Ils ont fait la publicité, la promotion. Finalement, c'est entré dans nos valeurs aujourd'hui. Et les filles vont à la plage et vous voyez les fesses. Vous voyez les seins. Même certaines personnes vont à la plage là-bas uniquement pour voir ça. Et regardez comment ces choses ont commencé. Ça va être simple. Regardez. Mes frères et sœurs, moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Hein. Ça me fait vraiment mal. Je me dis, mais ah, l'être humain. Comment l'être humain peut-il tomber aussi bas? Pour chercher à même si. Non, la blague n'existe pas. Si vous lisez bien la Bible, allez chercher. Téléchargez Bible LSV dans le web Play Store. Écrivez maintenant blague. Touchez l'Ancien Testament. Écrivez blague. Cherchez. Vous allez voir ce que la parole de Dieu dit par rapport à la blague. C'est pas du jeu. Dieu ne considère pas la blague. Mais c'est comme si on disait même que c'était un problème. Il faut même pas même blaguer le truc. La vie n'est pas un jeu. Hey, la vie, c'est pas de la rigolade. Nous avons trois chaînes d'application sur lequel vous avez accès à nos pages d'accueil. Et abonnez-vous sur mon deuxième, sur mon troisième, sur mon Ignorance TV. Et bon, soyez prêts. Peut-être que vous avez regardé la vidéo précédente, ça vous a
vraiment touché. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues regarder la vidéo précédente. Elle apparaîtra ici ou là. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez juste la regarder. Vous allez découvrir un jeune homme qui a refusé de livrer sa mère au diable et qui est devenu fou. Ce sont des choses réelles. Ça commence comme un jeu et après ça se termine en queue de poisson. Mes frères et sœurs, maintenant vous m'analysez. Dites-moi maintenant, est-ce que vous avez eu la même pensée que moi? Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Si cette vidéo est passée, Dieu merci. Mais vraiment, moi ça m'étonne. Ça m'étonne. Jusqu'à aujourd'hui. Nous vous disons, il y a des choses que vous voyez physiquement ici, qu'au lieu de le monde des esprits, et les gens ont transporté ces choses du monde des sorciers, là, pour les envoyer sur la terre ici, pour faire passer ces choses-là comme une chose, une nouvelle. C'est-à-dire comme une révolution. Oh, ça s'est passé, mais dans le monde des esprits, là-bas, depuis. Il fallait juste que quelqu'un voit ça ici. Même à cette intense. Il y a cette intense qui quitte le monde des ténèbres qui vient directement ici. Et là, parce que c'est de la blague, ils ne sont même pas au courant. Faites attention à moi aussi, mes frères et sœurs. Faites vraiment très très attention. Moi, quand j'ai vu ça, moi, vraiment, ça m'a choqué. Je ne vais pas vous mentir, moi. Je suis même sous le choc en ce moment. Partagez cette vidéo et dites-nous ce que vous en pensez. C'est parti.